Wow, what's up, c'est Damon. Et c'est Joe. Et c'est Damon et Joe. Et on est ici cette fois pour vous parler de quelque chose qui est très important pour nous et très intéressant pour vous. En fait, c'est très dur pour nous et c'est pratiquement impossible pour nous parce que chaque fois que tu apprends une langue étrangère, il y a des mots, des phrases qui sont pratiquement impossibles et... à prononcer. Wow, c'était dur. Même si tu parles bien, même si tu gères bien, même si tu te débrouilles bien dans une langue, il y aura toujours des mots qui sont impossibles, qui vont te distinguer comme un étranger. Et c'est triste à cause de ça. Excuse me, miss, do you need help? Oui, j'ai besoin d'aide, mais en français, s'il te plaît. C'est tellement triste. Et je veux dire à tous les gens qui parlent français que si tu m'entends en parlant en français, change pas en anglais. Oh my gosh, c'est le pire. Et c'est pour ça qu'on a créé ce liste, cette liste de tous les mots qui sont impossibles. Commençons. Je veux dire impossible. Oh, imprononçable. Les deux. Imprononcible. Premier mot qui est vraiment difficile, qui on utilise tous les jours. C'est quoi? Heureux. C'est genre, ça termine trop soudainement. Heureuse. Ça va. Ça va. Mais heureux, le mot est trop petit. Heureux. Meurtre. Non. Meurtre. Les mots comme ça ont besoin de mourir. Mordre. Mordre. Mordre avec... Les français. La langue française est très belle. C'est une des plus belles. C'est la plus belle langue du monde, je crois. Si tu peux parler. Si tu arrives à parler, oui. Tu sais ce qui est marrant, c'est quand quelqu'un parle anglais, on se trouve ça trop mignon et trop beau. Quand un étranger, oui, parle comme un français qui essaye de parler en anglais, c'est mignon, l'accent, c'est sexy. Mais dans l'autre, like, quand un américain essaie de parler français, j'ai l'impression que vous ne trouvez pas beau. Est-ce que vous trouvez ça beau, ça mignon? Personne ne nous a jamais complimenté. Serrurerie. Chirurgie. Serrurerie. Like non. Surgery? Non, ça c'est chirurgie. Chirurgie. Gris. Gris est facile. Non, it's not. Gris. 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 Je trouve ça trop. Like, par exemple, oh oui, j'ai mis le chat gris dans la maison grise. Like, perturbé. Oh. Ah. Perturbé. Ok. Ok. En portugais, perturba. C'est facile. Perturba. Je sais que le français me fatigue. Horreur. Qui était horreur, en horreur? Horreur aussi en anglais pour vous les Français. J'en suis sûr que c'est difficile pour vous. C'est une horreur. Horrible. 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 Oh. Horrible. Horrible. Oh, that is horrible. Oh. Arrête. I'm like exaggerating. J'exagère. Il y a trois villes en France. Par exemple, il y a Rouen, il y a Rennes et Reims. J'arrive, Jean. Oui. Exact. Laisse-moi voir. Rouen, Reims, oui, Rennes. Reims. Mais pourquoi? Un autre mot. Chirurgie. Chirurgie. Qui a créé cela? La chirurgie. Donc, il faut que je fasse une chirurgie sur ma langue parce que c'est caché après cette vidéo-là. Prochain, et la liste est presque finie. La liste a déjà fini, mais on a ajouté un autre mot aussi qui était j'exagère. Le verbe exagérer. C'est mon mot là. C'est mon mot. Je peux utiliser ça pour m'exprimer complètement. J'exagère. J'exagère avec tout dans ma vie. Et c'est moi. Je suis difficile comme le mot. Je suis capable d'exagérer. Je suis difficile, assez difficile comme le mot. Cette vidéo va jamais terminer parce qu'on va continuer à ajouter des mots et des mots et des mots. Si et je continue à parler en français, la liste va être like, interminable. Interminable. J'ai un livre ici aussi. Le livre de Camille. Tu l'as acheté à Giverjeune, non? Je sais pas. Hein. La Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Galerie. Voilà les gens, c'est ça. Ça va toujours être dur de parler une langue sans un accent. Est-ce que t'as entendu? Il y avait plein d'accents là-bas. Mais il faut pas abandonner, ok? Il faut continuer. Non, et on va continuer sûrement avec le français. Et pour vous les français, si vous entendez un étranger ou un américain, ayez de la patience, s'il vous plaît. On a besoin de ça, on a besoin de ton aide. Et on a besoin de ta patience aussi. Et voilà, c'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez un like, s'il vous plaît. Aussi, commentez en bas s'il y a un mot en anglais que vous trouver difficile parce qu'on va faire une vidéo sur ça, comment prononcer les mots difficiles en anglais pour vous. On sait qu'il
qu'il y a plein de mots. Oh, trial and error, drawer, world, over there. Aussi, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Snapchat, Instagram. On s'appelle Damon et Joe surtout. Mais attends, il y a un plus. On a un blog aussi, c'est chatapengo.travel et on vous verra là-bas. Et on vous verra dans la prochaine vidéo aussi. Bisous. Avec tes accents. Sexy ou pas, je sais pas. Ciao. Intervenir. Intervenir, je note. Page 45. Un rapide coup d'œil aux plaques professionnelles. Professionnelles. Apposées sur les façades des immeubles chics de la. Bon, ok, si vous voulez entendre plus de notre français en tant qu'américain, il y a deux vidéos qui sont ici, qui sont pour vous, qui sont en français. Donc cliquez là-bas et on vous verra là-bas avec plus de thèmes et plus de difficultés. Ciao!